vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant. Oui, mais c'est complètement l'esprit. Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend, une soirée chic. Il me fait peur, lui, là. Ce n'est pas un duo d'acteurs avec d'autres acteurs qui servent de faire valoir autour. C'est un vrai grand film choral. C'est un genre que vous aimez, vous, en tant que spectateur et en tant qu'auteur, on fait que ça. C'est ce que vous faites avec Agnès. Ouais. C'est très casse-gueule comme genre, c'est très compliqué. Il faut que tout soit très équilibré. Oui, mais à la fois, ils ont tellement travaillé que ça finit par éviter les chausse-trappes. Votre politesse, c'est la vitrine de la réception. Je vais vous préciser quand même que je ne suis pas un grand orateur. Eh bien, ferme ta gueule alors, ça sera plus simple. Les fêtes de mariage, en général, ça vous évoque quoi? La déprime totale. Et une fête réussie pour vous, c'est quoi, Jean-Pierre Macri? Une fête réussie, c'est un dîner à trois. Ouais. Ou à quatre, ou... Voilà, c'est une fête réussie pour moi. Samy, t'es sûr de toi, là, pour les feux d'artifice? Est-ce que vous regardez les films dans lesquels vous jouez? Non. Mais celui-là, je l'ai regardé. Pourquoi? Parce que c'est drôle. Je me suis aperçu que je le regardais sans penser à moi et sans être abattu comme je le suis quand je me vois. J'ai dit, on se coordonne! Il n'y a personne qui comprend que je joue ma vie, moi! Il y a de plus en plus de films qui sont tournés, entre 15 et 16 films par semaine qui sortent, étrangers aussi. Oui. Pour vous, c'est une bonne chose ou pas? C'est bien, parce qu'il y a beaucoup de films français qui se font, et bravo. Mais c'est pas bien, parce que tous ces films français-là, il y en a 80% qui durent une semaine. Ils n'ont pas le temps de s'installer, d'être exploités correctement. Non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère.